On avait une problématique d'un téléphone qui sonnait toutes les 3 secondes dans la pharmacie. Et on avait aussi des patients qui venaient de très loin pour réaliser des tests dans notre officine. Donc on avait besoin de fluidifier notre organisation. On a réussi avec Doctolib à canaliser toutes les demandes des patients sur un outil unique. On utilise l'agenda Doctolib tous les jours. Ça nous permet de voir qu'on a des gens qui vont se positionner sur des rendez-vous de téléconsultation et ça nous permet aussi de nous organiser en termes de vaccination. L'agenda Doctolib est un outil extrêmement efficace. On apporte un service complètement innovant aux patients avec énormément de fluidité, énormément de simplicité. On est en désert médical. Depuis 4 ans, on se rend compte que le nombre de patients qui s'inscrivent et qui viennent augmente tous les ans. On a donc décidé le mois dernier d'ajouter un agenda supplémentaire Doctolib sur la prise de rendez-vous en ligne sur la téléconsultation. Donc on a une meilleure visibilité sur Internet. Et sur le premier mois, on a pratiquement doublé le nombre de téléconsultations à l'officine. Donc ça nous permet d'avoir une salle en fait, qui est occupée en permanence. La messagerie patient, c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. On a eu quelques messages de patients qui nous sollicitent pour savoir si tel ou tel produit sont disponibles. Mais il faut savoir qu'il y a très longtemps que les gens déposent leur fichier d'ordonnance sur notre Doctolib, ce qui nous permet de préparer les ordonnances et éventuellement de prévenir une éventuelle rupture. J'ai utilisé 2 fois les communications groupées aux patients. On a envoyé un mail à près de 2000 personnes pour les sensibiliser sur le fait qu'on était disponible pour les vacciner. Cette année, on a été en évolution positive sur le nombre de vaccins grippe qui ont été réalisés dans notre pharmacie. Donc l'outil fonctionne et on a bien l'intention de refaire la même chose l'année prochaine. La messagerie entre professionnels fonctionne très bien dans notre officine puisqu'on a 2 médecins généralistes qui sont installés proches de la pharmacie. Donc ça leur est extrêmement facile de déposer les fichiers sur le Doctolib de la pharmacie. On a également la possibilité de leur envoyer des messages. Ces messages en rapport par exemple à une posologie ou un dosage. Et la réponse a souvent lieu dans les 5 à 10 minutes. Doctolib m'a permis d'avoir une meilleure visibilité. C'est une solution qui nous a permis d'être beaucoup plus efficient en termes d'organisation dans la pharmacie.